Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 97 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu pas comme les autres. On va pas jouer à un FPS ou à une course comme on fait d'habitude, mais là on va jouer à Titeuf le film. Donc bon, ils ont fait un jeu PC. Ça va pas être énorme, mais on y joue quand même parce que c'est fun. Allez. Donc voilà, on commence par créer alors un perso. Enfin, c'est le perso qui s'appelle Wendy. Donc voilà, notre profil c'est Wendy, on peut pas choisir notre nom, c'est con. Ouais, voilà, jouer. Donc on va être en... Sans, ouais, bon, les options, il n'y a rien à faire. On va être en un joueur. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, Rodeo Mammouth. Donc c'est un jeu en party game, vous allez voir, c'est... Il n'y a pas tellement d'histoire, on n'a pas de cinématique, il n'y a pas de... Il n'y a pas plus d'histoire que ça. C'est plein des mini-jeux. Donc comme je l'ai dit, party game. Alors, chargement du jeu. Choisir la difficulté, on va prendre facile, parce qu'on peut pas faire les autres qui sont bloqués. Allez, c'est parti. Alors, attrape le mammouth avant qu'il ne s'échappe. Titeuf grimpe à la corde, changer de chemin pour éviter les obstacles, et on saute avec Mage. Le mage de droite. Allez, c'est parti. Alors, mammouth... ouais. Alors le but là, c'est de tâter du gauche-droite pour remonter la corde du mammouth. Et on a un temps limite, il nous reste 50 secondes, on a une histoire de points. On gagne des points par rapport à ce qu'on remonte, je sais pas, est-ce qu'on... Parce que vous voyez, donc il y a les cailloux, il faut pas que je... faut pas que je tape dedans, sinon ça me... Hop là, ouais, je suis tombé, et ça m'a fait reculer un petit peu. Voilà, on y arrive, allez. Et voilà. Il est terminé, il nous reste 29 secondes. Donc voilà, mission terminée, 4237 points, nouveau jeu débloqué, voilà, et la difficulté aussi est débloquée. Donc Wendy, donc j'ai pas, bon là j'ai pas tellement le choix pour le, voilà. Alors, regardez, je peux jouer donc en moyen. Donc on va choisir un autre jeu, on va essayer de tester un peu quelques jeux. Il n'y en a pas tellement sur la première page là, donc on va le tester. Donc là on a l'alien là-haut qui est apparu. Regardez, Alien Exterminator. Record 0, bloqué, bloqué pour les niveaux moyens et difficiles. Oh, ça peut être fun en multijoueur, j'imagine. Alors, facile. Ouais, on continue. Déplacer le curseur, tirer, recharger. Donc, ça va être une sorte de. Voilà, de shoot them up. Alors, on tire dessus. Il y a une sorte de chasse-taupe, hein. Vous tirez, vous rechargez. Hop. Alors apparemment on a de la vie. Ça doit symboliser par l'armure qu'on voit là. Alors ça c'est des vaisseaux. Hop. Ça c'est un bonus. Voilà, ça tire 3 machins au lieu d'un. Hop. Ah, plus de munitions. Alors faut faire attention parce que ceux qui se tournoient sur eux. Il y a les extraterrestres qui commencent à tournoyer sur eux et quand ils viennent ils ont les yeux blancs et tout là ça nous fait des trucs là. Hop, vous voyez. Ouais, donc lui il a fait ses yeux blancs, regardez mon armure elle a bougé, mon bras droit sur l'armure, il est rouge. Je dois avoir peut-être 4 ou 5 essais. Hein. Voilà, niveau 2, on continue. J'ai pas plus de temps et de choses que ça. Le temps aussi il est limité mais bon ça. On peut pas trop perdre au niveau du temps, je pense pas, puisque de toute façon ils apparaissent au fur et à mesure du temps. Ah, c'est ce qui est chiant, c'est de faire attention aux munitions. Voilà, tout va bien pour l'instant. Hop, il m'en a fait un deuxième éclair blanc là-bas, il était loin. Voilà, j'ai mon deuxième le bras gauche. Hop là, plus de munitions, hop, hop, ça devrait bientôt être fini. Ça va pas tarder, je pense. Alors là, c'était un autre bonus. Ça veut dire que là, j'ai plus de limite de munitions, mais là, c'est bon, c'est fini. Alors en fait, ouais, c'était juste le temps qu'il fallait. Hein. C'était pas un temps à pas dépasser, c'est juste le temps de la partie. Ouais, tout simplement. On pouvait pas aller plus vite, quoi, en fait. 107 000, je sais pas si c'est un bon score. J'ai débloqué moyen, j'ai débloqué un nouveau jeu. Alors, on retourne à la carte. On est reparti.
Alors, pauvre tâche. Ça, c'est le psy, ça. C'est le psy du collège. Du collège ou de l'école primaire. Je sais même pas si on a... Oui, on est en école primaire, on n'est pas au collège. Continuez. Déplacez le curseur, ajustez l'image. Assortir toutes les formes, tant que le... C'est cool. Allez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, faut sélectionner par rapport à la tête du mec. Faut retrouver... Voilà. Ça, c'est pas elle. Non. Voilà, c'est elle. Donc on reconnaît un peu les signes distinctifs qu'on voit. Là, ça doit être notre père, ça. Il est où? Voilà. Le père du Titeuf. Ça, c'est l'autre, là, racaille. Là, on voit bien les couettes à Dumbo. Ouf. Donc, ouais, pareil, il y a un temps. On en a encore trois à faire en bas. Là, à droite, on voit, il y en a encore trois à faire. Ouais. Nadia. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle avec ses dents. Mission terminée. 1632, bon, il doit y avoir une histoire de temps. Continuer. Ouais. Non, je veux pas faire le niveau moyen. Le chargement. Alors, lâche-moi le slip. On va voir qu'est-ce que ça va être cette épreuve. Regardez, il parle. Le micro-bocus. Alors, jouer. Le bus magique, on voit derrière d'ailleurs. Pierre et le loup. Continuer. Alors, cours et saute. Encore un jeu de course. Ah, je vais te taquer sur mon. Attention. C'est parti. Donc en fait, ouais, il faut que je sois attaqué sur gauche et droite, gauche et droite, gauche et droite. Pour pas qu'il me rattrape. Il n'y a pas d'obstacle à sauter, alors je sais pas quoi ça sert de sauter. Je passe la ligne d'arrivée, je pense, avant lui. Allez, allez, allez. La ligne d'arrivée, elle est là. Et voilà. Oh, c'est des jeux rapides, hein. Y a rien d'exceptionnel. Bon, les graphismes sont plutôt jolis, on se croirait dans le dessin animé, hein. Bon, en même temps, c'est pas tellement compliqué vu les jeux que c'est. C'est pas du 3D, hein, c'est que du scroller. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ben là, c'est le Titeuf, striptease. Alors, le striptease de Titeuf, qu'est-ce que ça va être? Un jeu de rythme, peut-être? Ce que j'avais vu là. Continuer. Alors, appuie dessus lorsque les disques passent par une enceinte. Appuie dessus au moment pour enlever un vêtement. Ok. Donc j'imagine donc que ça va être avec les flèches. Enfin, je crois, j'ai pas regardé les touches, mais j'imagine que c'est avec les flèches. Ah bah non. Ah bah non, c'est pas avec les flèches, ça doit être avec les mages. Ah voilà, c'est bon. Là, j'ai trouvé. Donc c'est mage gauche et mage droite. Hop, hop, hop. Ah, je pense que j'ai foiré. Il faut quand là, en fait il faut faire les bons battements au bon moment et hop. Et quand la bonbonne haute à gauche là, au milieu à gauche, elle est pleine, on peut quitter un vêtement. Hop, hop. Ouais, je crois même que j'ai foiré là. Et ouais, c'est bien ce que je pensais, il manque le pantalon. Voilà, alors une chasse d'eau. Le symbole du recommencement, c'est une chasse d'eau. Ok, on continue, on va réessayer. Maintenant que je connais les touches, ça va aller mieux. Il y a un striptease dans sa chambre quand même. Hop. 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 Donc on voit qu'est-ce qu'on va quitter, c'est les chaussures. Attention. Hop, hop. Je crois bien que j'ai foiré. Ah non, c'était là. Deux chaussures. Hop là. Hop, c'est encore hot. Voilà, on a quitté le haut. Et il manque que j'arrive à finir le bas. Voilà, le bas. C'est toujours pas fini. Ah, je pensais que ce serait fini. Bon. Soit on a fini, il n'y a plus rien à faire. Ok, il joue de la guitare. Enfin, de la basse plutôt. C'était plus ça. Il jouait de la basse avec son slip. Génial. Alors,
Panique peau. Alors, continuer. Non, retour à la carte. Alors, les micro-bocus. Alors, où c'est qu'il est mon nouveau niveau? Ouais, il n'y a pas de personnage, celui-là, il est toujours comme ça. Ah bah ouais, panique quoi. Alors, qu'est-ce que ça va être encore ce nouveau jeu? Déplace-toi et occupe tout l'espace. Découvre 80% de l'image avant que le temps ne s'écoule. Ah d'accord, je vois le style du jeu. Alors attendez, on va essayer de se familiariser avec le truc. Donc on a de la vie. Hop. Hop, on en a enlevé 1%. Ouais. Il faudrait que j'en enlève. Ah non, je me suis fait avoir. Vite, 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 vite. Non, oui, c'est bon. Voilà, 59%. Donc j'arrive à 80% de l'image. 67, 73. Oh, c'est hardcore. Hein. 80%. Ah non! Là, j'ai encore perdu une vie. Hop, voilà. On a découvert une image. Toute pourrie d'ailleurs. Le mec avec sa cagoule. Hein. C'est pas une cagoule, c'est autre chose. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah non, déjà, j'ai encore perdu une vie. Il me reste plus qu'une. Voilà. C'est un peu difficile à contrôler. Les murs, c'est de la merde là. Hop. Hop. Comment enlever 80% de ce truc, sachant que elle peut traverser tous les murs. Hop là. Hop là. Comment je fais? Voilà. 80% pile poil. C'est pas beau ça. Niveau 3. Voilà, ils sont deux maintenant. Alors déjà que c'était dur avec une, mais alors avec deux. Allez, non! Ah, il est juste passé. Il court vite, hein. Donc ça, c'est du temps. Des petits bonus à récupérer. La petite dose avec l'éclair, normalement, ça doit être de la vitesse. Bah, j'ai perdu. Voilà. Voilà, on va recommencer. Je sens que ce jeu, on va y passer un moment. Il y a plusieurs niveaux. Il y en a trois, je crois. J'espère qu'il n'y en a pas un quatrième. Allez, non! Pourquoi elle est passée de mon côté? Ah putain, je perds toutes mes vies. Oui, 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 oui. Oui, hop là, voilà. Déjà, ça c'est pas mal d'en enlever autant comme ça. Et voilà. On a toujours la même image d'ailleurs, le mec avec sa cagoule là. Allez, on fait le deuxième. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait. Ah non! Suffit. Ah non! En plus, je continue. Putain, je suis con. Je pensais que ça passait. Eh non! Elle nous tue encore. Je viens de perdre 3 vies en 3 secondes. Ça va en fait, on a du temps, mais bon. Allez. Elle va nous casser les noix. Hein. Oui! Ouais, j'ai gagné encore un peu de temps et un peu de vie. Elle reste toujours là. Voilà. 51, c'est pas encore assez. Hein. Hop. Ah, on va plus vite normalement là. Regardez, quand je récupère machin, ça me fait même des petites traces rouges autour de mes chaussures. Voilà, celui-là, jusqu'au niveau 2, c'est easy. Niveau 3, c'est plus compliqué. Hop. C'est juste lui là qui nous casse les noix. Quelque chose de dingue. Ah non. J'ai foncé sur lui comme un idiot. Allez, 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 vite. Voilà. Bizarrement, il reste toujours pas très loin de moi quand même. Hop là. Ah non. Mais il me cherche ou quoi? Parce que regardez, on a l'impression qu'il me cherche. Mais je suis là quoi. C'est pas comme si j'étais invisible. Hop. Alors maintenant, comment je fais pour gagner les 20% qui me manquent?
Il m'en manque pas. Ah non, mais comment je. Putain, je suis con d'aller au milieu. Comment je fais pour gagner ce qui me manque là? ça me manque 10% quand même. Là j'ai gagné un peu de vitesse mais je suis pas sûr que ça va aider beaucoup. Oui pour l'instant. Allez presque à 76. Il me reste qu'une vive si je me gourre. Oh non, je suis trop con. Oh merde. Bon, alors on recommence une dernière fois. Vite fait. Et si j'arrive pas, on arrêtera là. Allez. Parce que là, ça commence à me saouler. En plus, c'est d'une maniabilité à chier, j'ai envie de dire. Allez, allez, avance au milieu. Non. Ah, elle m'a déjà tué dès le début, quoi. Oui. Hop là. Hop là, on récupère de la vitesse. Non. Oh, rien du tout, quoi. Rien du tout. Hop là. Un cœur ici. Elle nous suit vraiment partout, hein. C'est pas vraiment aléatoire, je trouve. Hop là. Allez. Niveau 2, encore facile, on va essayer d'économiser un maximum nos vies. C'est vraiment. Elle passe vraiment là où il faut, quoi. C'est un peu cheaté, il me reste déjà plus qu'une vie. Voilà, 2. Hop, 3. Il y a un peu d'écart partout, c'est sympa. 4. Allez, casse-toi la vieille. 5, voilà, on gagne un peu d'avance sur la troisième niveau. Voilà, on part sur le troisième niveau avec 5 vies. On devrait y arriver, j'espère. Alors déjà, on enlève cette partie-là. Après, on enlève cette partie-là. Oh, on gagne un peu de temps, en plus. 2 minutes, oh, ça devrait suffire. Je sais pas ce que c'est, ce bonus. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il y en a un qui bouge plus. Regardez. Le concierge ne bougeait plus. Oh non! Et j'ai foncé droit dessus comme un idiot. Et bizarrement, ils sont tous venus sur moi au moment où j'ai commencé à partir. Regardez, ils restent bien dans l'angle. Allez, on va plus vite. Allez, hop là. Hop. On va retrouver le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir grignoter à l'intérieur. Hop, on regagne un peu une vie. Hop. Allez, on va leur grignoter à l'intérieur. Hop. On remonte un petit peu, on fait des petits carrés. C'est comme ça qu'on avance. Hop là. Donc voilà mes 80% pour ce jeu. Putain, j'ai cru qu'on n'y allait jamais y arriver. Alors les points, bon. Voilà. Il était temps. Il me reste 6 vies, c'est dommage, ils auraient pu rajouter au point. Alors. J'ai débloqué encore un nouveau jeu. Alors c'est quoi? Là c'est la maîtresse. Ouais. Tac. Ouais, c'est la maîtresse. Donc on va jouer SOS Control. On avait vu l'image de la maîtresse, mais je cherchais parce que. Je cherchais un peu s'il y avait pas. Si on allait changer un peu d'écran au bout d'un moment, parce que bon. Il n'y a pas que comme personnage dans le jeu. Ouais, ils sont un peu tous là, mais. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'appuie sur la touche pour afficher. Il faut que je retrace le dessin. C'était ça à peu près, je crois. Par contre, la prof elle dort. Oula, c'était pas ça en fait. Oh merde, non, je me suis trompé. On efface. Donc, ils ont fait tous les pics en fait, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et après, on fait le tour
de l'intérieur. Hop, hop, hop. On passe gourer. Hop, hop, hop. Bon, je sais pas sous quel prétexte la maîtresse peut se réveiller. Voilà, c'est Ziggy. Il y a du temps. Et il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5 à faire. Donc là, en fait, ouais, il suffit juste de regarder le modèle. C'est pas bien compliqué. Hop, hop, et hop. Ça, ça doit être Nadia, j'imagine. Voilà. Ça, ça doit être... je sais plus comment il s'appelle, l'autre avec sa casquette, là. Donc on fait la casquette. C'est bizarre comme contrôle, quand même, de relier des points. Voilà. Youf, oula, c'est quoi tout ça? Il y a trop de points, là. Je sais pas qui c'est, ça, mais... Ah, mais c'est des lunettes, ça. Regardez. Ah, on va... On va essayer de pas se gourer dans les traits parce que après si on efface ça efface tout, tout refaire. Il sait pas effacer un trait. C'est l'autre, voilà. Voilà avec ses lunettes. Ça par contre je sais pas ce que c'est. Hop, hop, hop. Hop. Qui c'est que c'est ça? Ah d'accord. C'est le père. Alors, le dernier dessin, vite, bon, il me reste une minute, moi je parle bien vite. Voilà. La prof, elle dort profondément. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait la réveiller. Hein. Ouais, et voilà, le dernier trait. D'accord, c'est Dumbo. On voit bien les oreilles à gauche et à droite. Mission terminée. Trop la classe. Wendy, retour à la carte. Alors. Ah bah là on a Titeuf, Rock Mesh Attitude. Rock and Mesh Attitude. Et c'est le dernier qu'on voit pour l'instant, donc c'est le dernier qu'on va faire, je pense. Alors, jouer de la guitare. Avec le mage, et on utilise corde supérieure, corde inférieure, avec B et N. Ouais, c'est pas encore ça. D'accord. Je dois mal le faire, parce que là j'appuie comme un taré sur les trucs, c'est la merde. Ah bah voilà. C'est mieux. En fait, il faut rester appuyé. C'est un peu la merde, hein. Maniabilité, ouais, con. En plus, il joue comme une merde. Les notes sont dégueu, ça donne mal aux oreilles. C'est beau les éclairs bleus. Mission terminée. Voilà, ah bah d'accord. Regardez, il est marqué tous les jeux débloqués. Je crois que c'est la fin du jeu. Je crois que nous venons de terminer le jeu. Titeuf le film. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, bah ce sera tout pour Titeuf le film. Le jeu. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.